回家。Et oui les amis, bonjour, sur cet entraînement quotidien au katana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur The Forest. Et oui, parce que comme vous avez pu le constater, la chaîne reprend, belles et bien. J'espère que vous êtes content quand même de revoir quelques vidéos, que ce soit sur The Forest, sur Subnautica, ou même voire même sur Ark. En tout cas, pour cette vidéo, ça sera sur The Forest. Et dans cette vidéo, les amis, nous allons parler des nouveautés qui sont apparues lors de la 0.43 et 0.44. Mais principalement de la 0.43, parce qu'en fin de compte, c'est plutôt dans cette mise à jour-là qu'il y a eu le plus de choses. Alors dans la 0.43, les amis, plein de petites choses, enfin plein, tout du moins des choses sympathiques, à ne pas mettre de côté, on a la possibilité maintenant de avoir deux fois plus de sticks et de pierres. Donc là vous voyez que les pierres, je suis à 10 pierres déjà, contrairement à avant où on pouvait prendre seulement que 5 pierres. Donc voilà, nouvelle possibilité les amis d'avoir beaucoup plus de pierres, ce qui sera vraiment intéressant. On va pas se mentir, ça sera vraiment intéressant, ne serait-ce que pour faire des murs en pierre, hein. Clairement, quand vous voudrez faire vos murailles ou faire un chemin en pierre ou quoi que ce soit. Mais voilà, on part avec plus de pierres, ça sera plus sympa pour le farming, on va pas se mentir. Et même punition pour les sticks. C'est-à-dire que là, vous voyez que les sticks, j'en ai 6. Vous voyez que si je prends mon sabre, qui est un poil plus efficace pour farmer les sticks, à mon goût. En profiter pour tout prendre. Alors, pourquoi j'arrive pas à prendre le stick là? Voilà, c'est le stick que je vais prendre. Voilà, on va continuer. Yoto! Donc on va continuer à farmer les sticks à fond. Donc là, vous voyez déjà, je suis à 14 sticks, alors qu'avant, je pouvais en prendre que 10. Donc vous voyez déjà la quantité de sticks qu'on peut prendre en plus. C'est pas négligeable. On va continuer hein, pour vous montrer vraiment la capacité maximum que je peux prendre sur moi. Juste pour vous montrer la différence. Là je suis sur. Là je suis à 20 sticks. Voilà. Clairement. Je suis au max, je crois. Ouais. Je suis au max. 20 sticks les amis. Donc là on est sur une. Ouais, une double quantité de ressources. Que ce soit en pierre ou en stick. Et ça, ça va être fortement intéressant, ne serait-ce que pour la suite de l'aventure, pour vous ou pour moi-même, lorsque le multi se met en place. Alors, ce n'est pas la seule chose qui a été ajoutée. Alors, attendez, j'essaie de rentrer de manière... Voilà. Ce n'est pas la seule chose qui a été mise en place, les amis. En effet, quand on ouvre le livre, on peut voir que de nouveaux crafts sont apparus, les superbes herbes médicales et les superbes herbes énergisantes. Donc désormais, on peut avec des marigolds, aloe et coneflower faire des boosts de vie et des boosts d'énergie. Par exemple là, coneflower, chicory, aloe, coneflower, chicory, aloe, alors attendez, chicory, aloe et coneflower. Ah, perdu. Viens là, toi. Coneflower, il est où? Là. Voilà. Je combine. Je récupère. Et là, je vais peut-être pouvoir utiliser celle-là. Ouais, vous voyez que ma barre d'énergie s'est complètement boostée au maximum. Donc, fortement intéressant. Ne serait-ce que pour le farming. Quand vous partez en mission farming et que vous avez rien à manger, que vous voulez booster votre énergie rapidement, et ben voilà, paf paf paf, je prends ce qu'il me faut, et basta. Donc là on va passer la nuit, parce qu'elle devrait pas tarder à arriver. Alors je vais en profiter même pour stocker ma pierre. Alors si je n'ai pas ce qu'il faut pour stocker la pierre, et ben les amis, on va fabriquer, hop, un stocker à pierre, c'est pas un problème. Voilà, on va le mettre à la suite, on va le mettre là par exemple, tac. Nickel. On va mettre tous nos cailloux, donc nos 10 cailloux. Alors vous voyez que la quantité quand même qu'on peut farmer maintenant de pierres, c'est impressionnant. Alors là, la nuit devrait être tombée, donc on va pouvoir passer la nuit.
Voilà. Et le jour se lève. Ok. Donc là, on est pas mal. Alors, donc ces petites nouveautés qui sont fortement, fortement sympathiques, ne serait-ce que pour la qualité, du jeu, on a plus d'items, on a la possibilité de stocker plus, ce qui ne sera pas négligeable pour le suite de l'aventure. Alors, l'IA a encore été, améliorée, on a plein de bugs aussi, graphiques, des petits effets, etc., qui ont été aussi ajoutés sympathiques. Et ça a donné vraiment un aspect au jeu. Alors, j'avais voulu faire cette vidéo aussi sur The Forest pour vous annoncer la fin du Let's Play. Alors, bien sûr, ça vous vous en doutiez, hein, bien sûr. Les dernières vidéos sur The Forest ont essentiellement montré des updates, hein, les updates du jeu. Voilà, je voulais vous mettre bien sûr au courant des choses qui ont été ajoutés au jeu, les petites. Alors, j'essaierai de continuer. Si les vidéos vous plaisent sur les updates de The Forest, je continuerai à les faire. N'hésitez pas à le mettre dans les vidéos. Après, moi personnellement, je pense pas que ce soit indispensable à la chaîne, mais peut-être que vous appréciez que la façon dont j'explique les choses, etc. Donc, n'hésitez pas à le dire dans la vidéo, si ça vous plaît, si ça vous aide à mieux comprendre les différentes updates. Après, je pense qu'on peut clairement trouver ça sur le net assez facilement aussi, mais bon, je peux comprendre que certains aient pris goût à ces petites updates, donc n'hésitez pas à le dire et je continuerai à faire des updates. Le projet multi est en parlementation avec peut-être une coop avec un autre youtubeur, donc c'est en discussion pour le moment. Je vais pas vous faire de fausses promesses en vous disant que ça va arriver dans une semaine, dans 2 jours ou quoi que ce soit. Sachez juste que voilà, c'est en train de se faire. Ça se fait déjà mieux que tout. En tout cas, c'est rentré dans ma. Mais décidément, je suis vraiment très mauvais. Voilà, c'est en train de se parler, c'est en train de se peaufiner. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur donc la 0.43 et 44 vous aura été utile. J'espère en tout cas que vous avez toujours autant de plaisir à jouer à The Forest que moi j'en ai à vous expliquer ces petites mises à jour. Bientôt de nouveaux projets sur le jeu. N'hésitez pas à rester à l'actualité. Elle ne se fera peut-être pas de suite, donc ne soyez pas trop 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 pressés. Mais n'hésitez pas à dire si vous souhaitez que je continue les petites vidéos sur l'explication update du jeu The Forest. Je vous dis à très bientôt les amis sur ce joli ciel bleu nuageux, on va dire. Ouais, nuageux presque, hein. Je sens qu'il va pleuvoir. Enfin bref, sur ce joli bruit d'oiseau, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo sur The Forest. A très bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao.